Les aventures de Lester et Pop. Voici Lester. Lester est populaire, adulé, ça veut dire qu'il est bien aimé. Et le héros de tous les enfants. Lester est un chic type, ça veut dire qu'il est quelqu'un de bien. Et voici Bob. Bob est l'ami de Lester. Et voici leurs histoires. Les aventures de Lester et Bob. Une histoire de Ole Konecke. Première aventure. Lester entre en lice. Lester est un bouliste de niveau mondial. Aujourd'hui, il a donné rendez-vous à Bob au parc pour faire deux, trois parties. Le soleil brille et les bancs sont fraîchement repeints. Bob a apporté son parapluie. Quelle idée, Bob! Le ciel est bleu, dit Lester. Oui, pour l'instant, dit Bob. Le terrain de boules est occupé. Jamais ils vont nous laisser participer, dit Bob. Ce sont des crocodiles. On paraît qu'ils vont me laisser participer. Ils vont te manger, dit Bob. Bob, connais-tu le mot camouflage? Bob n'en est pas sûr. Lester lui explique. Déguisement, Bob. Déguisement. Écoute, ces gars ne sont visiblement pas très futés. Un peu ralentis entre les oreilles, si tu vois ce que je veux dire. Un coup de peinture verte et ils me prendront pour un crocodile. Mais un crocodile fort en pétanque. Ils vont te manger, dit Bob. Lester affiche son sourire de gagnant et avance vers les joueurs. Salut les gars, ça vous gênerait de jouer avec un crocodile étranger? Je pourrais vous montrer deux, trois trucs. Bob s'assied. Ça risque de durer un peu. Mais voilà, oh, une goutte qui tombe. Et encore une, et encore une, et encore une. Oh, il pleut. Des trombes d'eau. Ça veut dire beaucoup d'eau. Bob est ravi. Il le savait. Hé, Lester, j'avais raison. Il pleut. Je m'en suis aperçu, Bob. Lester, la peinture verte ne résiste pas à l'eau. Merci, Bob. Oh, ils vont te manger. Chut, Bob. Bob savait que Lester était un bouliste de niveau mondial, mais qu'il sache courir si vite, ça, c'est nouveau. Deuxième aventure, Lester en vadrouille. Les gâteaux de Bob sont célèbres. Aujourd'hui, il a fait un magnifique gâteau aux pommes. Maintenant, il s'entraîne devant la glace. Non, Lester, cette fois-ci, tu n'en auras pas. Pas la moindre petite part. N'y pense même pas. Tu n'as qu'à faire. Qu'à te faire un gâteau toi-même. Bob est content. Il est enfin prêt. Lester n'a aucune chance. On frappe à la porte. Oh, c'est Lester. Écoute, Bob, je ne ferai pas de longs discours. Je pars faire le tour du monde. Et viens te dire au revoir. À plus. Quelle chance! Bob n'en revient pas. Il pourra manger son gâteau tranquillement, tout seul, sans que Lester en demande. Sans dispute pour la dernière part, Bob peut, s'il le souhaite, se lever, passer au salon, lire un livre, et quand il reviendra, personne n'aura touché à son gâteau. Au fait, ça dure combien de temps le tour du monde? On frappe à la porte. Lester est de retour. Lester est épuisé. Bob s'en aperçoit tout de suite. Le tour du monde, ça laisse des traces. Lester! Il faut absolument que tu manges, j'insiste, trois, quatre parts de gâteau aux pommes et tu te sentiras mieux. Lester est trop faible pour le contredire. Quelle chance d'avoir un ami comme toi, dit-il. Et Bob est bien d'accord. Troisième aventure. Lester s'y connaît. Lester a gagné deux places pour la remise du prix Nobel lors d'un jeu concours. Ça plaira à Bob, pense Lester, et il appelle son vieil ami. Bob n'a pas d'autre projet pour ce soir-là et il vient volontiers. À tout à l'heure donc, Bob. Et n'oublie pas, hein, c'est un événement très solennel. Mets tes plus beaux habits. Ok, Lester. À 7h30 tapante, Lester frappe chez Bob. Bah, Bob, ce n'est pas possible. Regarde-moi. Chapeau de forme, foulard élégant,
Voilà comment on se présente en société. Je comprends, dit Bob. Je reviens tout de suite. Bob se réjouit d'avoir un ami qui a autant de savoir-vivre. Je suis tellement plus beau comme ça. Tu as vraiment très bon goût. Merci, Lester. N'en parlons plus, dit Lester. Quatrième aventure. Lester frappe fort. Bob a préparé un magnifique gâteau à la mangue. Il lui reste à installer des panneaux. Non, c'est mon gâteau, Lester. Non, Lester. Laisse tomber, Lester. Bob, s'écrie Lester, tu vas pas faire ça tout seul. Allez, je vais t'aider. J'insiste. À quoi ça sert sinon, les amis? Tu ferais la même chose pour moi, pas vrai? Ouais, dit Bob. Lester, rentre chez toi. Bats les pattes, Lester. C'est une belle journée. Le gâteau est exquis. Les panneaux sont installés. Lester raconte des histoires drôles. Mais quand même, quelque chose n'a pas tout à fait marché comme prévu, non? Cinquième aventure. Lester est de bons conseils. Bob est morose. Il n'a envie de rien. Il appelle Lester. Lester est d'excellente humeur. Allez, Bob, ne te laisse pas aller. Il fait beau. Sors faire une promenade. Souris et la journée te sourira. Merci pour le conseil, dit Bob. Et il raccroche. Ouais, là, il n'a pas l'air très content. Hein. Pour ce qui est de sourire, ça risque d'être difficile aujourd'hui. Bob enfile donc son masque bonne humeur. Dans la rue, quelqu'un vend des ballons. Bob a lu quelque part que les ballons rendent joyeux. Il en achète 6. Peut-être devrais-je lui remonter le moral personnellement, pense Lester. Pour ne pas embêter Bob avec sa bonne humeur, il enfile son masque de mauvaise humeur, car Lester est plein de délicatesse. Voilà les deux amis face à face. Lester est content que Bob ait retrouvé sa bonne humeur. Et Bob comprend, oh, voilà quelqu'un qui va encore plus mal que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour lui remonter le moral? Sans un mot, il tend les ballons colorés à Lester. Bob est, lui aussi, plein de délicatesse. Il veut que Lester profite tranquillement de son cadeau. Vite, il s'en va. Il n'aura plus besoin de son masque bonne humeur aujourd'hui. Sixième aventure. Le retour de Lester. Bob a préparé un merveilleux gâteau au chocolat. Pendant que le gâteau refroidit, il construit un bonhomme de neige. Bob est très content du résultat. Dommage que je n'ai pas vu Lester depuis si longtemps. Le bonhomme de neige lui plairait. Oh, Lester, quelle bonne surprise! Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec les ballons? Le bonhomme de neige a un peu souffert, mais ce n'est pas grave. Les deux amis vont se partager le gâteau au chocolat. Lester va raconter les histoires passionnantes et Bob n'en croira pas un mot. Bob se réjouit que Lester soit de retour. Et voilà, la fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. Au revoir les amis.